Le business plan, pour vous, c'est votre recette de cuisine, c'est votre carte routière, c'est un outil de communication. Prenez-le comme ça, c'est ce qui va vous permettre d'expliquer aux autres qui vous êtes, ce que vous allez faire, où vous voulez aller. En fait, à tous ceux que vous avez besoin de convaincre et qui vont travailler avec vous. Évidemment, votre banquier, mais également celui avec qui, à qui vous allez louer votre bureau, par exemple. Ou, je ne sais pas, celui à qui vous allez acheter un véhicule. Bref, toutes les, ce qu'on appelle les parties prenantes de votre projet. Première chose, la synthèse. C'est le pitch du film. Ça donne envie d'y aller, de l'équipe. Toutes les personnes qui vous ont aidé, que ce soit votre conseiller entreprendre de CCI, mais que ce soit votre époux, un ancien collègue qui a des contacts, un réseau, ça donne de la crédibilité à votre projet. Après l'équipe, il faut parler du contexte. Votre entreprise, elle va s'insérer dans un contexte, dans un marché existant, avec des acteurs existants, des réglementations existantes. Vous devez décrire tout ça, expliquer tout ça. Ensuite, le business model, l'offre, la concurrence, tout ce qui traite du business de l'entreprise. Là, vous devez rentrer dans les détails, vous devez prouver que le projet entrepreneurial est viable. Ensuite, les stratégies opérationnelles. Comment vous allez faire pour que cette belle offre rencontre ses clients, soit distribuée, que les clients en entendent parler par la communication, etc. Et enfin, le prévisionnel financier, est-ce que vous allez gagner de l'argent à hauteur de combien? De combien vous avez besoin pour financer le développement et le démarrage de l'entreprise? Soyez précis. Donnez vos sources. N'oubliez pas qu'Internet existe et que le lecteur de votre business plan ira vérifier ce que vous indiquez. Il vaut mieux annoncer d'entrée de jeu les faiblesses de son projet et montrer comment vous allez les compenser. Dernier conseil, un business plan, c'est pas figé. C'est un outil de travail. Au bout de 6 mois d'activité, vous allez l'ajuster. Ça doit rester votre recette de cuisine. Donc, une recette de cuisine, bah, ça s'ajuste en fonction de ses goûts. Bah, c'est le même principe pour le business plan.